Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite puce de famille d'accueil, Emeraude. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle est sur le lit, c'est son spot préféré. Comme vous l'avez déjà vu hier, mais là, je vous la présente officiellement. Liam veut voler la vedette. Come on, dude! Donc, c'est Emeraude. Elle a en ce moment 3 mois. Ça fait un petit peu plus qu'un mois que je l'ai avec moi. Liam, pour vrai? Vraiment? Ça veut dire bonjour à tout le monde. Hello! Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai lu, elle avait 2 mois, mais elle avait le poids d'un chaton de 6 semaines, fait qu'il fallait qu'elle prenne du poids avant. Peach aussi, elle arrive. Ça tombe énorme. Il fallait qu'elle prenne du poids avant de pouvoir être adoptée. Puis aussi, elle était. On sait pas c'est quoi son histoire en fait. Elle a seulement été trouvée dehors dans le coin de Hantik. Une patrouille qui la SPCA qui a été envoyée, puis ils l'ont ramenée. Fait qu'on sait pas si elle avait des frères ou des sœurs. On a vraiment rien de son histoire, mais elle a l'air de vraiment pas avoir eu des bonnes aventures avec les humains parce que elle est terrifiée de tous les humains. Moi, elle s'en vient vraiment bien, là. Elle se cache plus. Elle reste soit ici ou sur le divan. Elle va jouer dans le salon. Elle fait sa petite affaire de son côté, mais elle est toujours sur la défensive. Elle est toujours sur le bord de partir. Puis comme quand il y a eu justement une famille, une madame qui est venue la visiter. Ça a pas super bien été. Attends, oups! Je suis juste la faire bouger. Fais-tu jouer? Tu sais, comme vous pouvez voir, elle est quand même bien avec moi, mais comme... elle a ses moments, là. Elle veut comme... elle est toujours vraiment sur la défense. J'aimerais ça savoir, tu sais, comme ces petits chatons-là, s'ils pouvaient nous raconter qu'est-ce qui leur est arrivé, là. Ça serait tellement le fun, parce que... C'est quand même spécial d'avoir peur des humains à ce point-là, à cet âge-là, là. Mais je pense que ça arrive quand même souvent. C'est juste que c'est la première fois que j'ai des expériences avec des chatons comme ça qui ont autant peur puis qui ils snap pas out of it. Là, ça fait 3 back-to-back. Fait que c'est quand même une nouvelle expérience. Ça rend vraiment pas les visites faciles avec les familles qui veulent l'adopter parce qu'en fait, les deux dernières. Batch de chatons que j'ai eu, la SPCA, il y avait pas beaucoup de chatons à adopter. À la SPCA à ce moment-là, fait qu'ils m'ont dit juste de les ramener là-bas, puis que c'est eux qui allaient s'en occuper. Puis ça, au départ, ça m'a brisé le cœur, là, de pas avoir aucun lien avec la famille, de pas avoir leur email, de pas pouvoir savoir qui les avait adoptés, de pouvoir choisir la famille, parce qu'en fait, en étant famille d'accueil, puis en ayant des gens qui viennent ici, en bout de ligne, c'est moi qui ai le dernier mot, comme sur la famille qui va adopter. Tu sais, je choisis la famille que je trouve qui est le plus adaptée aux chatons. Fait que ça donne vraiment une tranquillité d'esprit que t'as pas quand tu fais juste ramener les chatons à SPCA, puis que t'as aucune idée de ce qui se passe avec leur vie. Pis t'as pas non plus, tu sais, avec les autres chatons que j'avais eu il y a 3 ans, j'avais les emails des gens, fait qu'ils m'ont envoyé des photos un petit peu plus tard quand t'étais plus vieux. Puis si jamais je veux avoir d'autres photos, je veux avoir des nouvelles, je peux leur écrire, tu sais. Fait que c'est comme vraiment avoir une tranquillité d'esprit que j'ai pas eu avec les autres chatons, sauf pour un qui est Max, maintenant Wallace, que ML a adopté. Fait que lui, je peux continuer à le voir, fait que c'est super le fun. Mais les autres, je sais pas du tout qu'est-ce qui est arrivé avec eux. Fait que là, je suis comme, j'essaie d'accepter ça, mais avec elle. Ça se passait pas, là. J'étais comme, non, je veux vraiment choisir la famille. Parce que, justement, tu sais, c'est moi qui la connais le plus de tout le monde, parce que je la vois. Puis je sais, comme, j'ai écrit, il y a plein de monde. On l'a mis, justement, une annonce sur Petfinder. Il y a plein de monde qui va venir la visiter. Puis après la première visite que j'ai eue, j'ai vu comment ça allait prendre une famille qui allait... Ben, c'est sûr que ça prend toujours un temps d'adaptation. Fait qu'il faut toujours être quand même un... Ben, remarque avec les chatons, seulement. Moi, les chatons que j'ai connus, c'était tellement facile, là. C'était comme une seconde, puis ils étaient à l'aise à la maison, puis c'était correct. J'ai toujours eu cette expérience-là, sauf les 3 plus récents que j'ai eu justement. Fait qu'il va avoir besoin d'une famille qui va être patiente, puis qui va lui laisser le temps de s'adapter. C'est pas quelqu'un qui veut absolument... Il y en a un qui me demandait. Moi, je veux qu'un chat affectueux, puis c'est comme... Elle, c'est dans ses termes que ça se passe. T'sais, tu peux pas la forcer à venir te voir, tu peux pas la forcer à la prendre dans tes bras, parce que quand elle était petite, elle aimait ça, elle restait puis elle s'endormait avec moi dans mon chandail. Je faisais comme genre de skin to skin pour qu'elle s'habitue vraiment vite, vite, vite comme aux humains. Puis maintenant, elle veut plus se faire prendre plus du tout, fait que c'est elle qui va venir comme me voir, va venir hang out sur le divan un petit peu. Elle fait beaucoup d'associations avec la nourriture, mais à part de ça... Elle est bien dans son petit monde, elle joue avec mes chats, elle et Peach jouent beaucoup beaucoup ensemble, ça c'est adorable. Mais sinon elle fait des siestes avec mes gars, puis c'est super cute, mais comme... On sent qu'elle a comme pas besoin des humains, on dirait, bien comme de son côté. Puis c'est juste l'association nourriture, là, elle vient me voir quand c'est le temps de manger, puis à part de ça, c'est rare qu'elle a besoin de moi. Fait que si... Alors, avoir besoin de vraiment vraiment beaucoup de temps pour une famille, pour s'adapter, pour vraiment faut qu'il gagne sa confiance, parce que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour plus. Mais il y a des fois qu'elle vient dormir avec moi, elle vient dormir collée, comme elle vient se trouver un creux, puis là, je sais, comme cette nuit, là, j'avais tellement de chats collés
sur moi, que j'étais pas capable de me tourner de bord tellement la couverte était serrée, puis je voulais pas les déranger. Elle était couchée comme pas super loin de moi. Fait qu'il y a des fois où elle vient quand même me voir, mais tu sais, c'est pas un chat de base qui... Elle était plus au début, mais est devenue là, comme tu vois qu'elle... a grandi, elle prend confiance, puis tu vois qu'elle a confiance en elle, parce qu'au départ, dans le fond de sa cage, là, quand je l'ai ramenée dans le carrier, là, elle était juste comme écrasée, elle restait en dessous du divan, elle voulait rien savoir, c'était vraiment comme... Je la forçais à venir régnante avec moi, parce que je voulais vraiment qu'elle comprenne que j'étais pas méchante, puis j'étais là pour l'aider, là, mais c'est jamais facile, ça, là, tu sais, je passais mes soirées, je disais, ce soir, je force un chaton à régnante avec moi. Puis la madame qui était venue visiter, j'ai vraiment pas filé, là, ça a pas... tout de suite, j'ai su, là, je la trouvais vraiment snob. Puis la première chose qu'elle me posait, c'était un million de questions par rapport à le fonctionnement des familles d'accueil puis tout. C'est comme, OK, c'est une question valide, là, j'imagine, mais c'est pas vraiment la priorité en ce moment, tu sais, il me semble, c'est plus apprendre à connaître la puce. Puis je l'avais... on avait rendez-vous à 2 heures, puis je l'avais forcée à rester dans mon chandail parce que je voulais pas. Je sais que si quelqu'un arrive, elle va se cacher en dessous d'un divan, puis elle voudra pas sortir. Fait que ça ne donne rien à venir la visiter si elle est juste cachée, puis je vais pas y courir après, là, ça la traumatise plus que d'autres choses. Fait que quand elle est juste avec moi, elle est toujours couchée à quelque part pas loin. Fait que je peux l'approcher puis la prendre, mais elle aime plus ça être pris. Fait que là, je la forçais à rester dans mon chandail. La madame est arrivée 20 minutes en retard. Le temps qu'elle arrive, elle voulait vraiment, elle voulait sortir, elle voulait faire son affaire à son côté. Fait que là, j'ai juste remis à la madame comme dans ses mains, puis là, je me suis dit. Ah, elle va la trouver cute, tu sais, avec sa tête qui sort de mon hoodie. Elle va trouver ça vraiment. Puis elle a pas dit un seul commentaire, rien. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, je sais pas, ben, je vais lui donner. Puis là, en sautant, elle m'a fini dans le visage tellement elle voulait partir. Là, elle l'a pris dans ses bras comme 2 minutes à peine, même pas. Puis elle l'a laissé partir à se cacher tout ce divan. Puis elle a pas pu interagir avec elle du tout. Puis après, comme elle voulait savoir à quel âge elle allait se calmer, les chatons, à quel âge habituellement ça devient calme. Est-ce qu'elle fait ses griffes seulement sur le. Parce que dans l'annonce, on mentionnait qu'elle fait ses griffes seulement sur un petit podium. Pour ça. Puis là, elle voulait savoir si elle faisait ses griffes ailleurs, puis tout. Puis je suis comme, OK. Je veux dire, c'est un chat, c'est un animal. Là. Faut s'attendre à ce que nos choses soient endommagées. Ça fait partie de la game. Elle va pas se fâcher contre elle parce qu'elle fait ses griffes sur le. Tu sais, c'est sûr, dans ma douillette, là, j'ai plein de mailles parce qu'elle grimpe par là, puis elle est tout petite. Fait qu'il faut qu'elle s'accroche. Elle joue comme. Il y a des mailles partout. Là. Je veux dire, c'est ça pour des animaux. Là. Surtout, comme. J'ai l'impression qu'on peut un petit peu plus s'entraîner des chiens à faire ou pas faire quelque chose. Des chats, ils font un petit peu leur affaire. Moi, j'ai la chance d'avoir des chats qui sont super, tellement comme tranquilles, puis qui endommagent comme pas grand chose, là. Mais tu sais, c'est sûr des chatons en général. Là. Ça a de l'énergie, là. Mais en tout cas, fait que j'ai pas aimé que ces questions, c'était plus par rapport à ses meubles que par rapport à elle. Fait qu'elle, je l'ai barrée tout de suite. Je pense qu'elle l'a senti. Puis là, j'ai 2 familles qui s'amènent aujourd'hui. J'ai toujours des visites hier, vendredi, mais on dirait que j'avais le goût de. J'avais sorti du monde qui vient de chez nous que je connais pas, là. Fait que j'avais le goût d'avoir comme mon vendredi, comme j'avais besoin d'être off chez nous puis de faire travailler mes autres choses. Fait que là, j'ai booké 2 rendez-vous pour aujourd'hui, samedi. Ça fait vraiment longtemps que je parle. Ce vlog-là va être long, mais ça me tient à vraiment cœur comme sujet. Fait que là, je les file vraiment. Il y en a une personne, j'ai parlé au téléphone. Puis l'autre personne, on s'est juste écrit des emails. Puis tu sais, c'est genre, ils écrivent des messages comme si vous voulez encore nous considérer. Parce que j'ai averti les gens, tu sais, que c'est un petit chat qui va avoir besoin d'une famille patiente, qui va y laisser son temps, puis que c'est pas super évident dans les visites parce qu'elle sort comme. Elle veut pas vraiment interagir. C'est dur de voir sa personnalité en 5 minutes qu'on passe chez nous quand elle connaît pas, là. Fait que là, mais il était quand même, si vous voulez nous considérer pour l'adoption, on aimerait vraiment ça venir la voir, puis tout, puis on a un super été understanding. Fait que là, je me suis laissé comme 2 options de famille pour venir visiter. Mais là, je veux pas comme j'ai l'impression que je vais briser le cœur à une des 2 familles, là, parce que. Mais je voulais quand même comme que les 2 aient la chance de venir voir, puis voir si Emerald va. Dans le fond, c'est ce qui est important, là, voir si elle va peut-être faire un lien tout de suite, comme créer un lien avec une des 2 familles. J'ai vraiment hâte de voir ça, fait qu'ils viennent à 2 et 3 heures. Puis là, il est midi, c'est ça? Je pense que je suis mélangée, puis je travaille ce soir. Fait que là, je vous laisse, je vais vous montrer un petit peu plus Emerald, là, elle est juste couchée sur le lit. Avouez, hein? Elle est tellement belle, avec son eyeliner juste sur un œil. Elle a juste un œil sur un œil. Quand elle ronronne, c'est vraiment, vraiment cute. T'es plus. Allô, Momo? Peux-tu te flatter? Je peux-tu te flatter? Elle a tellement pris de poils, elle a doublé depuis que je l'ai eue. Je suis vraiment fière parce que justement, c'était pour ça. Fallait qu'elle soit socialisée et qu'elle prenne du poids. Plus. Plus, 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 elle est tellement cute. J'avais pas de chat, là. Je pense bien que je la laisserai pas partir. Mais 3, c'est ma limite. J'ai une famille qui vient de passer. Ça a vraiment été éprouvant. Là. C'était quelque chose. La puce a tellement peur. Là. Je m'attendais comme pas à ça. Surtout que hier, Emel qui était ici,
comme Emeraude est restée vraiment naturelle comme d'habitude, elle est venue chiller sur le divan un petit peu, elle est passée nous voir, tu sais, comme elle est pas restée cachée ou rien, elle vient de sortir dans le dessous du petit divan. J'ai essayé de trouver la formule pour que les gens puissent interagir avec elle, mais tabarnouche, je ne veux pas rester dans mes bras, là, elle me griffe, puis elle part en courant dès qu'elle a une chance. Fait que là, j'étais en train d'essayer d'annuler la rencontre, mais les gens, ils doivent déjà être en route, parce que c'est comme dans une demi-heure. Mais puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ceux qui viennent de passer. Je leur ai dit, en fait, que je veux vraiment que ce soit eux qui l'adoptent, parce que ils ont dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Genre, ils ont vu qu'elle avait peur, ils ont été patients, ils ont attendu. En fait, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est sauvée, elle est allée par terre, cachée en dessous du lit. Puis je sais que quand les gens partent, ça y prend 30 secondes pour sortir. Puis là, je leur ai dit. Puis là, ils sont allés attendre dans l'entrée, comme pour voir si elle allait sortir. Puis là, elle est sortie. J'ai réussi à la reprendre, puis la mettre dans la cage pour qu'au moins ils puissent la voir un peu. Puis là, ils ont été patients, ils ont été gentils, ils se sont approchés. Puis ils ont dit, ce qu'on veut, c'est pas une poupée, là. On veut un chat qui a sa personnalité, puis on s'adapte à elle. Fait que c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Fait que je veux vraiment que ce soit eux qui l'adoptent. Mais là, j'ai pris un autre rendez-vous, je me sens super mal pour les autres. En tout cas, je viens de leur envoyer un email. Fait que j'espère que ça va être correct. Il faudrait que j'essaie de les appeler, mais j'espère qu'ils sont pas fâchés, s'ils sont en chemin. Mais c'est parce que je veux pas y faire vivre plus de stress. Hey, son cœur, il battait tellement fort. Puis là, j'ai fait comme une personne que j'écoute sur YouTube disait de faire avec des chatons. Quand on veut socialiser, j'ai fait un burrito avec une couverte, fait qu'on a pu au moins comme la prendre, mais tu sais, on sentait son cœur là qui battait vite. Fait que, ça me stresse de la stresser comme ça, là, j'aime vraiment pas ça. J'ai hâte qu'elle ait comme sa forever home, puis qu'elle... Forever home, et boy. Sa forever home, puis qu'elle ait pas à être en contact avec... que je la force à être en contact avec des étrangers, là. Ça me fait de la peine d'avoir comme ça, là. Elle a paniqué, là. Elle est allée comme dans la porte, puis elle essayait de passer par en dessous de la porte, puis elle passe clairement pas en dessous de la porte. Fait qu'elle est super stressée. Bon, fait que là, je vous retiens au courant, puis si j'ai réussi à canceller l'autre famille. Puis en plus, cette famille-là qui vient de partir, je pourrais garder Emeraude jusqu'au 15, parce qu'il déménage le 15, fait que ça serait à partir de cette date-là qui pourrait l'adopter, fait que ça serait vraiment, vraiment cool. En plus, je pourrais avoir un autre comme presque 2 semaines avec elle, ça serait bien. Puis je les ai vraiment beaucoup aimés, là. Il était tout ce que je voulais, là, tout ce que je cherchais dans une famille pour ma puce. OK, fait que je vous tiens au courant, je vais plus tard. Je sais vraiment pas quoi faire, là. Finalement, j'ai écrit vite à la famille, deuxième famille qui venait visiter pour voir si c'était correct qu'on cancelle. Fait que là, c'était par email, là. Fait qu'ils ont pas... C'était une demi-heure avant qu'ils soient ici, là. Fait que c'est sûr qu'ils étaient en route et tout. Puis là, finalement, ils se sont présentés, puis... au départ, Emeraude est restée cachée en dessous du divan pendant un petit bout, puis ils sont restés à genoux à terre, à attendre, super patient, vraiment cute, à poser des questions. Puis ça a fini que j'ai réussi, je l'ai comme un petit peu forcée à sortir. Je l'ai mis dans un burrito, dans une couverte pour qu'elle puisse hang out avec eux autres. Puis, en fait, quand ils sont arrivés, elle est même restée couchée sur le divan, ce qui m'a vraiment surpris dès le départ. Puis après ça... La fille, elle l'a tenue dans ses bras pendant un bout de temps, comme un burrito, puis là, il a donné de la bouffe, puis tout, puis là, elle a fini par la laisser partir, puis elle n'a pas été cachée, elle est allée se coucher sur le divan, puis elle est restée là. Puis les miens ont tourné autour, les miens se faisaient flatter. Peach est allée voir la fille, puis elle l'a vraiment beaucoup aimée, puis Peach, elle aime pas tant de monde que ça, elle a quand même assez peur des gens, tu sais, elle se garde une distance. C'est la seule personne autre qu'elle aime vraiment beaucoup, je dirais autant que moi, puis qu'elle va chercher des caresses, qu'elle va voir pour se faire flatter. C'est Marie-Laurence, c'est la seule autre personne qui va voir, que Peach va voir. Puis là, elle allait la voir, la personne. Fait que j'étais comme, OK, ça veut dire que... Elle a vraiment une bonne vibe, là. À mes yeux, c'est comme ça que je vois, là. Puis là, Emeraude est restée couchée tout le long sur le divan, puis ils ont réussi à la flatter, puis tout. Puis ils ont été super fins, puis je les aimais vraiment beaucoup. Puis là, je sais pas quoi faire, parce que j'ai déjà dit oui à l'autre famille. Mais en même temps, en bout de ligne... Je veux ce qui est mieux pour elle, puis ça a vraiment comme... Il y a vraiment un bon contact avec la deuxième famille qui est passée. Puis je sais pas si c'est la méthode que j'ai prise en la forçant pas à aller les voir, en la laissant comme être... Ben, en même temps, je l'ai forcée, elle... En tout cas, je sais pas trop, là. C'est pas évident, hein? Oh my God! Fait que là, faut que je brise le cœur d'une des deux familles. Fait que je pensais à ça pour le reste de la journée. Je pense que je vais clore mon vlog tout de suite, parce que je vais déjà quasiment faire un 15 minutes. Là, je mange, puis je cours aller travailler. Je suis comme... C'était vraiment éprouvant comme journée, on dirait. C'est n'importe quoi. Puis là, je vous garde seulement un sujet par jour. Ça, c'était comme mon sujet pour aujourd'hui. Puis je voulais vous montrer le calendrier de l'avant aussi, mais là, il est pas mal tout emballé. Fait que... Je sais pas, c'était une affaire vraiment différente avec plein à thème de films d'horreur. Fait que je voulais comme vous montrer un petit peu. Je vais peut-être vous en... le défaire un peu demain parce qu'il me reste à finaliser une couple d'affaires pour vous le montrer. Puis ça sera mon sujet de demain.
Si ça vous intéresse d'avoir un sujet par vlog comme ça, puis je me concentre là-dessus. En tout cas, c'est peut-être qu'il y aura tous les jours, il n'y aura pas vraiment un sujet nécessairement, mais tu sais, j'essaie de me garder un petit peu des idées, qu'on va avoir quelque chose un petit peu préparé à l'avance comparé à d'habitude. Mais là, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon matin, bon midi, bonne nuit, dépendamment à quelle heure vous regardez ça. Puis je vous parle probablement demain. Fait que bye tout le monde!